Que le Seigneur bénisse. On peut se lever pour commencer notre genou avec ces cantiques près de la croix. Près de la croix, garde-moi. Thank you.
ta miséricorde, là où coule la grâce, là où coule la paix, Seigneur, là où coule la délivrance, là où coule la vie, Seigneur, là où coule les alliés éternels et Dieu. Venons encore, Seigneur Père, en fait nous, Jésus-Christ, qui nous bénit, Seigneur, ce soir. Dieu bien-aimé, nous te recommandons ces services ce soir. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Unis nos cœurs à toi, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs, ô Père. Ô Dieu, ne permets pas, nous te prions, Jésus, de partir de cet endroit, Seigneur, tel que nous sommes entrés, Jésus. Parce que nous repartons de cet endroit et t'en fortifier davantage. Et toi, béni, Seigneur Jésus. Et que toi, ô Père, tu portes une pierre de plus, Seigneur Jésus, dans tout et chacun de nous ce soir, et que nous te rencontrons réellement, Seigneur Jésus. Bénis ces services, mon Dieu. Bénis la prédication. Bénis les cantiques, ô Dieu. Bénis chaque prière sera bénie, Père. Sois avec nous, ô Dieu. Prends position avec nous, avec tes anges chez toi. Afin que, Seigneur Jésus, nos âmes et nos esprits soient élevés. Ô Dieu, placés dans les liens célestes en Christ. Et que Père bien-aimé, nous sentons la douceur, la fraîcheur, la bénédiction du Saint-Esprit. Ô Dieu, sois avec nous, Père, alors que nous t'invoquons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans ce prier. Amen. Amen. Vous avez une saison un peu, il est tard. Alors, on va s'élever et chanter même des cantiques. Après quoi, nous passerons à la parole. Commençons avec ce monde n'est pas chez moi. Il n'y a pas une approche. Thank you.
Écrit à l'ange de l'église de Perga. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que c'est là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que nous continuons avec le troisième ange. Je ne sais pas si on va terminer ça parce que je pense me reposer un peu. Le mois de juin, disons, au milieu de juin, juste pendant que les enfants seront à les vacances, moi, je vais me reposer un peu pour laisser place à d'autres dons pour édifier l'église. Et je sais que juin, ça sera un peu beaucoup de choses là. Alors, c'est bon de les passer dans un esprit de réveil spécial. Amen. OK. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, le prophète dit à partir du 12e verset jusqu'au 17e, il est question de l'âge de l'église de Pergame. Et nous avons déjà commencé, nous sommes au verset 13, là où Christ jette des éloges à son église pour les bonnes œuvres qu'ils avaient faites, pour la foi et pour avoir retenu le nom du Seigneur. Si vous remarquez, comme nous avons dit l'autre fois, c'était trois choses avec lesquelles Christ apprécie son Église. Les œuvres, il retenait les noms. On a déjà vu les œuvres. Il retient les noms de Jésus. Nous avons vu cela. Alors aujourd'hui, voulons voir que tu n'as pas renié ma foi. Les chrétiens de Pergame, pas seulement les œuvres, pas seulement qu'ils tenaient le nom du Seigneur, mais ils n'ont pas renié la foi de Jésus. Si vous lisez bien dans la Bible dit, tu n'as pas renié ma foi. La Bible ne dit pas que tu n'as pas renié la foi, mais tu n'as pas renié ma foi. Vous suivez? Or, la foi a plusieurs sens, a beaucoup de sens. Si tu crois à quelque chose ou tu as confiance en quelque chose, on peut dire que non, j'ai foi en lui. C'est pour dire seulement que j'ai confiance à cette personne-là. La foi, ça peut être aussi la croyance de quelqu'un. On dit la foi musulmane, la foi chrétienne, ou la foi protestante, la foi bahaï. Ce sont des religions de l'Asie. La foi bouddhiste, c'est-à-dire la croyance de la personne, c'est aussi la foi. Vous suivez ça? Mais ici, la Bible dit expressément, c'est ce que le prophète est en train de signifier. Il dit « Remarquez, il ne dit pas la foi, vous n'avez pas gardé la foi ou vous n'avez pas nié la foi, mais vous n'avez pas nié ma foi. » Vous suivez ça? Et le prophète dit, j'aimerais lire dans l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 99, il dit ceci. Il dit, je connais tes œuvres, je sais où tu demeures. C'est là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom.
et tu n'as pas renié ma foi. Il lui donne maintenant, il lui dit, vous voyez, il vivait là où Satan était assis. Et malgré tout, il y gardait toujours le nom de Jésus. Vous voyez, tu n'as pas renié ma foi. Il dit, quelle sorte de foi leur a-t-il donné? Il y répond lui-même, la foi des Pentecôtes, celle du débit. Vous suivez ça? La foi du débit, il dit, les gens avaient là une foi nicolaïte. Au troisième âge, les nicolaïsmes étaient devenus déjà une doctrine. Ceux qui étaient des saints au premier âge, dans l'âge de Fès, mais au troisième âge, dans l'âge de Pergame, c'était devenu une doctrine. Et les gens avaient la foi nicolaïte. Ils avaient la foi d'une organisation ecclésiastique. Et tous les restes qu'ils avaient bâtis, une église est née sous l'organisation. Ça, c'est la fausse vie, n'est-ce pas? Amen. Et il leur dit, vous vous êtes éloignés de cela. Vous l'avez haï comme moi. Ils ont haï les Nicolaïsmes, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas renié mon nom. Vous n'avez pas suivi leur sale petite guide. Et vous êtes restés fermement attachés à mon nom. Et vous avez toujours ma foi, comme au commencement. Et j'aime cela. Le prophète dit, j'aime cela. Ils ont gardé la foi. C'est que la Bible dit, la foi qui avait été transmise une fois pour toutes hein, aux saints. Cette foi-là de Jésus, ils l'ont gardée. Maintenant, pour faire comprendre très bien, il explique ça très bien ici. Il dit, tu n'as pas renié ma foi dans l'exposé 171, là-bas, 171, 172. Il dit, dans Actes chapitre 3, au verset 16, je vous explique avec la Bible. Il dit, quand on demanda à Pierre, dans Actes 3, 16, c'est là où Pierre, après la guérison de celui qui se tenait, les mendiants qui se tenaient devant les temples. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, quand on demanda à Pierre comment s'était produit le puissant miracle de l'infirme à la porte appelée la belle, il dit, voici comment il l'a répliqué. Pierre a répondu, n'est-ce pas? Il dit, Pierre a dit, par la foi en son nom, celui de Jésus. Et son nom, celui de Jésus, a raffermi cet homme qui est infirme et que vous voyez et que vous connaissez. Il dit, la foi qui est par lui, donc la foi de Jésus, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres à la présence de vous tous. Il lit la version d'Abi. Il dit, vous voyez, c'est le nom de Jésus et la foi de Jésus qui ont produit les miracles. Ils ont expliqué, mais comment vous avez guéri cet homme ici? Il a toujours été ici, en train de mendier. Nous, on a toujours prié, mais il n'y a eu rien. Mais qu'est-ce qui fait que, quand vous êtes passé par là, cet homme est complètement guéri? Pierre a expliqué. Il dit, c'est par le nom de Jésus et la foi de Jésus que cet homme ici que vous voyez est guéri. Il dit, Pierre ne prétendait pas que c'était sa propre foi humaine. Pas plus qu'il ne prétendait que c'était son propre nom. Cet homme-là n'était pas guéri au nom de Pierre. Et ce n'était pas au nom de la foi humaine de Pierre. Mais plutôt c'était la foi de Jésus et le nom de Jésus. Amen. Oh, j'aime cela. Il a dit que le nom de Jésus, utilisé dans la foi qui vient de Jésus, avait accompli cette œuvre glorieuse. Il dit, c'est de cette foi-là que parlait le Seigneur Jésus dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 13. Amen. Frère Branham dit, c'est la foi que Pierre avait là.
foi de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui a guéri cet homme-là? Et le prophète dit, la foi qu'on parle ici, c'est cette foi-là que Pierre a vue. Oui. Ce n'était pas sa propre foi. Ce n'était pas une foi humaine. Pas même intellectuelle. Amen. Mais la foi de Jésus. Amen. Comme vous le savez, Frère Madame parle de beaucoup de foi. Il y a la foi intellectuelle, Amen. Il y a la foi artificielle, il y a la foi imaginaire, il y a la foi hybride. C'est ce que les hommes ont, la foi des églises. Mais il y a une autre foi, c'est la foi de Dieu lui-même, Amen. La foi de Jésus. C'est la foi originelle. Amen. Des fois, Frère Madame appelle ça la foi parfaite. Et des fois, Paul aussi parle, il dit, il appelle ça la foi d'Abraham. Amen. Vous voyez, ce n'est pas la foi humaine, ce n'est pas la foi intellectuelle, mais c'est une foi qui est différente, où il n'y a rien de l'homme à l'intérieur, mais c'est la foi de Dieu. C'est de cette foi-là qu'ils ont gardé. Ils n'ont pas renié cela pour entrer dans des fois dénominationnelles, des fois des pensées des hommes. Oh Seigneur. Il dit, c'était sa foi à lui. Ce n'était pas la foi en lui. Vous suivez? Amen. Mais c'était sa propre foi. Qu'il était, c'est lui-même qui a donné aux croyants cette foi-là. Jésus prend sa même foi, la foi de Dieu. Il Amen. Donne ça aux croyants. Amen. Et c'est de cette foi-là que nous voulons. Parce que des fois, les gens ont l'espérance, ils pensent qu'ils ont la foi. Amen. Peut-être qu'ils ont une détermination ou des ambitions. Ils pensent que c'est la foi. Peut-être c'est intellectuel, parce qu'il a écouté, parce que comme chrétien, on doit faire ceci. Ils pensent, mais il faut vraiment prêcher la substance, hein? Foi. Amen. Vous avez déjà dit ça? Amen. La substance, c'est-à-dire une foi réelle. Amen. Vous pouvez avoir ça. C'est la foi de Dieu. Il explique, il dit, Dieu lui-même, il avait besoin de la foi pour Amen. Créer ce monde ici. Amen. C'est ce que Paul dit dans les Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11, là où il parle de la foi. Il dit, ce qui existe, c'est venu par des choses qui sont invisibles. That's true. Amen. Dieu lui-même, à la création, il a dit que la lumière est soi. Frère Madame dit, Dieu lui-même a écrit à sa parole. Amen. Il a dit que ce que j'ai dit, cela arriverait. Cette foi-là que Dieu avait dans sa parole et qui amène les choses à l'existence, c'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Amen. Et ici, quand la Bible dit, vous n'avez pas régné ma foi, c'est Christ qui parle à l'église. Cette foi-là, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Jésus qu'ils avaient. Pas la foi humaine. Et le prophète, pour bien expliciter, il dit dans Romains 12, au verset 3, il dit, selon la mesure des fois que Dieu a départi, ça c'est Paul, hein, a réparti à chacun, d'après le verset 1, c'est chacun, ce sont les frères. C'est ça, n'est-ce pas? C'est Paul qui parle à l'église. Amen. Est-ce que vous avez suivi ça? Amen. Les prophètes essayent de le montrer dans la Bible que cette foi qu'ils avaient au début là, cette foi qu'ils ont gardée, c'était la foi de Jésus. Amen. La foi de Dieu lui-même. Et il prouve avec Romains 12, verset 3, et il va jusqu'au premier verset. Il dit, au verset 3, on dit, selon la mesure des fois que Dieu a réparti à chacun. Donc, chacun, vous avez la foi selon la mesure que Dieu vous a répartie. Donc, il donne cette écriture pour vous voir. Vous voyez, ce n'est pas la foi humaine, c'est Dieu qui a cette foi-là. Maintenant, il donne à l'un, il donne à l'autre, selon le mesure. À un, il peut donner une grande foi. À l'autre, il donne un petit. Ou dans une certaine occasion, il te donne, il te ouvre d'une foi. Et cette foi-là ne vient pas des hommes. Ce que je vais insister, et les prophètes insistent, la Bible le dit, cela vient de Dieu. Amen. Par là, nous comprenons que quand il s'agit de la foi, il faut se rassurer. Amen.
Est-ce que vraiment c'est une foi loin? Parce que la Bible dit, je vais lire quand même la Bible. Hein? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Vous avez retrouvé ça? 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Il dit, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. On dit, si nous commençons à partir du verset 8 pour avoir les contextes, on dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès divins et d'un père sordide. On ajoute, ils doivent conserver les mystères de la foi. Vous suivez? Dans une conscience pure. La Bible dit que la foi, c'est un mystère. Les gens pensent que c'est une chose simple. On prêche la foi. Des fois, ce n'est pas la foi. C'est l'espérance, hein, d'avoir l'audace, d'oser. Mais la véritable foi vient de Dieu. Et c'est un mystère. Et dans Galates chapitre 3, au verset 23, c'est le même Paul. Qu'est-ce qu'il dit aux Galates au sujet de la foi? Galates 3, verset 23, il dit ceci. Avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi. Vous suivez? En vue de la foi qui devait être révélée. Vous voyez, la foi qui est un mystère, ça devait être révélé. Ce n'est pas une petite chose, c'est un mystère. Un mystère, ça veut dire quelque chose que les gens n'appréhendent pas si facilement. C'est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas. Les contours, tous les contours. C'est quelque chose qui est caché. C'est ça un mystère. Mais là, la Bible dit, cette foi-là devait être révélée. Devait s'est manifesté. Cette foi-là qui est un mystère devait être révélée. C'est de cette foi-là que nous parlons. Et les prophètes continuent d'exposer, je continue, à la page 172. Il dit, lisez Éphésiens chapitre 2, au verset 8. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Paul ajoute, il dit, et c'est là, cette foi-là, ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. Il est aussi dit dans Jacques, chapitre 2, au verset 1. C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. C'est Jacques qui dit. Il dit, mes frères, les prophètes disent, remarquez, lui aussi, il s'adresse aux frères. Amen. Ici, ce n'est pas les païens. On parlait aux frères. Amen. Il dit, mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus en faisant exception des personnes. Tu ne peux pas avoir la foi de Jésus, mais tu fais exception des personnes. Vous voyez? Mais ce que je voulais faire remarquer, Jacques nous dit expressément que la foi qu'on doit avoir, c'est la foi de Jésus. Amen. Vous avez suivi ça? Amen. Bon, c'est la version d'Hardy, hein? Mais je sais que dans notre version, ça dit exactement. C'est ce que vous avez aussi dans la Bible, non? Amen. Il continue, dans cet âge de Pergame, où les hommes humanisaient les saluts. Dans cet âge-là, les saluts étaient devenus quelque chose que les gens fabriquaient de même. Ce n'était pas quelque chose qui venait de Dieu. C'était soit ton appartenance à l'église, soit ta croyance. C'est ce qui définissait la foi pour eux. Or, la Bible dit, le salut vient de l'Éternel. Et la foi que l'église, les croyants devaient avoir, ça devait être la foi qui vient de Dieu. Amen. Il dit, il s'était détourné de la vérité selon laquelle le salut vient de l'Éternel, ayant rejeté la doctrine de l'élection et ouvert tout grand les portes de l'Église et
de leur communion fraternelle à quiconque voulait bien accepter leur doctrine, quoi qu'ils en disent la parole. Il est dans cet âge qui s'est dégradé rapidement. Il y avait encore un petit nombre de ceux qui avaient la mesure de cette foi de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne se bornaient pas à utiliser cette foi dans des actes de puissance, mais qui s'opposaient également à ceux qui s'opposaient au salut de Dieu et déterminer cela à le fait d'adhérer à l'Église. Mais le prophète continue de dire, les problèmes de l'Église aujourd'hui, de cette foule de croyants cérébraux, il appelle, il dit, les croyants d'aujourd'hui, ce sont des croyants cérébraux. Donc, ils ont la foi mentale, cérébrale, seulement ici dans le cerveau. Mais ici, ils n'ont rien. Or, la véritable foi de Dieu, quand Dieu te le donne, ça ancre ici. Amen. Pas ici. Parce qu'ici, vite, ça peut partir. Mais quand Dieu les ancre ici, quelle que soit la situation, tu tiendras bon. Tu resteras là. Parce que ce n'est pas une révélation. Tu ne vas pas bouger. Et ça ne vient pas de toi. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. Alors, quand Dieu met quelque chose, qu'est-ce qui peut enlever ce que Dieu a placé? Rien du tout. C'est de cette foi-là. Mais les gens ont la foi cérébrale. Élisabeth, la naissance virginale, laissant verser, et que l'Église ne tient pas compte de la nouvelle naissance. Vous voyez? Il dit, la foi humaine ne suffisait pas à l'époque. Et il ne suffit pas maintenant. Amen. Il faut que la foi même des fils de Dieu descende dans le cœur d'un homme. Amen. Pour qu'il puisse recevoir le Seigneur de gloire dans un temple qui n'est pas construit de main d'homme. Il ne fallait pas la foi humaine, pas une motivation par des paroles de motivation. Comme on a beaucoup d'influenceurs, ils viennent avec des paroles et des phrases pour motiver les gens. Il y a ça, non? Les autres sont spécialistes. Ils ont des paroles, ils engencent des paroles un peu là pour vous motiver, pour vous encourager. Vous voyez? Ce n'est pas de cela que nous parlons ici. On ne fait pas de motivation ici. Ici, nous parlons de quelque chose qui est surnaturel. Amen. Quelque chose qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Christ lui-même. C'est ce que Frère Madame dit. Il dit, cette foi était une foi vivante. C'est pourquoi même quand la mort venait, ces gens-là tenaient toujours bon. Amen. Quand les autres craignaient, fouillaient, quand vous avez peur là, mais hey, avec cette foi-là, ils n'avaient peur de rien. Ils avaient l'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Quand bien même on peut tuer ses corps, mais il est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Et ils n'avaient peur de rien. C'était une foi vivante. Il dit, je vis par la foi du Fils de Dieu. Paul n'a pas dit qu'il vivait par la foi dans le Fils de Dieu, mais il vivait par la foi du Fils de Dieu. Pas dans mes parts. Il dit, c'était la foi du Fils de Dieu qui lui avait donné la vie et par lequel il vivait constamment dans la victoire chrétienne. Amen. Tu veux la victoire? Ayez cette foi de Christ. Amen. Une foi qui est une substance. Des fois, Dieu fait en sorte que tu les sentes. Voilà. Tu sens vraiment que... Donc, il y a quelque chose qui t'ancre. Même mais quoi qu'il arrive, tu es là. Ah, sont beaucoup mis en position. Là. C'est fini. Et rien ne va te vaincre. Amen. Il dit, non, il n'avait pas nié que le salut était surnaturel d'un bout à l'autre. Vous suivez? Le salut est surnaturel. D'un bout à l'autre. Quand Dieu t'appelle, enfin, madame dit, l'appel de Dieu, c'est surnaturel. Parce que Dieu... Il commence d'abord à t'appeler pour te sauver, n'est-ce pas? Amen. Soit par une prédication, ou soit tu as lu quelque chose de la parole de Dieu, ou soit un cantique, ou une inspiration, ou bien Dieu a fait quelque chose
C'est ça l'appel de Dieu. Maintenant, quand tu viens auprès de Dieu, Dieu commence maintenant à te sanctifier, à te préparer, à te parler, à te façonner, jusqu'à t'amener à la perfection. Et tout ça, c'est Dieu qui fait. Et il faut voilà, me dire, du début jusqu'à la fin, c'est surnaturel. Qu'est-ce qui fait qu'un homme passe ici, il parle de la parole de Dieu, mais les gens tels qu'ils sont là, leur vie change. Leurs vies sont influencées. Ils ont maintenant des pensées différentes. C'est surnaturel. Amen. L'église du Dieu vivant, c'est comme ça que ça devait être. Amen. Sinon, ça sera une conférence. Ça ne serait que des discoureurs. Ils viennent, ils font leur discours. Mais quand c'est par l'Esprit de Dieu, quand c'est Jésus-Christ lui-même, du début à la fin, c'est surnaturel. Amen. Nous voulons cette église-là. Amen. J'aimerais continuer avec la Bible. Comme ça, si on a le temps, on lira même les dimanches les citations. Dans la Bible, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 14, pour vous montrer seulement que la véritable foi, c'est la foi de Jésus. C'est la foi de Dieu. Au verset 12. Vous avez trouvé ça? Il dit, c'est ici la persévérance des saints. Les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Pas la foi des noms, hein, pas la foi de l'église, mais la foi de Jésus. Frère Madame dit, c'est de cela qu'on parle dans Apocalypse 2, verset 13. Même quand nous allons dans Luc 17, au verset 5, les apôtres avaient compris quand Jésus leur parlait d'avoir une foi. Quand ils étaient devant des situations qui étaient compliquées, mais ils ont compris qu'il fallait une foi pour vaincre. Et ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous pouvez lire ça à la main, je n'ai pas le temps de lire tous les voix. Dans Romains chapitre 1, au verset 12, Romains parle de la même chose. Il dit, la foi qui nous est commune. Est-ce qu'on peut lire ça? Donc c'est cette foi-là que Christ a donnée à l'Église. Dans Romains chapitre 1, verset 12, il dit, commençons à partir du verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc il y a une foi qui est commune à tous les chrétiens. C'est cette foi-là de Jésus. Amen. Dans Romains chapitre 10, au verset 17, vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. On dit, la parole, la foi vient de ce qu'on nous entend. Ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Or, Christ est la parole. Donc, la foi que vous avez, ça vient de la parole de Christ. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand vous êtes en contact avec Dieu, qui est la parole, cela produit la foi. Ce n'est pas une foi imaginaire, mais la foi qui vient de Dieu, qui est la parole. Dans Jude, chapitre 1, au verset 3, j'aimerais lire ça. J'aimerais lire celle-là. Il nous dit de combattre pour la foi. Vous connaissez ça, non? Combattre pour la foi. La foi qui avait été transmise une fois pour toutes au sein. C'est cette foi-là que Paul parlait. Nous combattons pour la foi. Cette foi-là que Dieu avait donnée aux chrétiens et qui se transmet. Depuis le premier âge, c'est la même foi jusqu'au dernier âge. Et c'est la foi de Jésus. Ça ne vient pas d'un homme. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 2, la Bible dit, Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. La foi que vous avez, chef, c'est Jésus. Amen. Vous voyez? Mais
Frère Branham parle de la foi de Marie. La foi de Marie, c'est la foi parfaite. C'est la foi de Dieu. Amen. Comment lui, une femme, une jeune femme, il pouvait croire une chose pareille? Amen. C'est la sorte même de foi qu'avait Abraham. Amen. Quand les autres doutaient, quand les autres disaient que c'est impossible, amen, mais celui qui a cette foi-là, amen, il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, ça va commencer comment? Tu as déjà entendu ça? Tu as déjà vu ça? Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin d'entendre ça, mais je crois la parole de Dieu. C'est ce genre de foi-là, la foi de Jésus, la foi de Dieu que l'Église a besoin. Dans la prédication sur les ailes d'une colombe, terminons seulement cette partie ici. Après les dimanches, nous allons avec Antipas et la synagogue de Satan. Dans la prédication sur les ailes d'une colombe, prêchée evening le 28 novembre 65, au paragraphe 265. Il dit, c'est Frère Branham qui prie. Il dit, Dieu bien-aimé, je prie pour notre frère en lui imposant les mains. Fais, ô Dieu bien-aimé, que la foi de Dieu descende à l'instant et qu'il soit comme Abraham. Et qu'il appelle ces choses qui sont comme si elles n'étaient pas, car Dieu a fait la promesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abraham, si Dieu dit cette chose-là n'existe pas, même à ta zone, pour Abraham, ça n'existe pas. C'est ce genre de foi-là. Où vous ne dépendez, où tu es cadré, tu es seulement centré sur un. Ce que Dieu a dit. Amen. La parole de Dieu. C'est ce genre de foi. Et Frère Branham, il priait pour que cette foi-là de Dieu descende à l'instant dans les frères. Amen. Croire que cette maladie n'existe plus. C'est la guérison qui s'installe maintenant. Alléluia. Oh, ça demandait vraiment Dieu, la main de Dieu, pour arriver à cela. Et Frère Branham parle de la même foi dans la statue de l'homme parfait. Dans 348, il dit ceci, quand vous nous prenez, nous qui ne sommes que des gourdes, des enduits, il n'y a rien de bon en nous, car nous sommes tous morts par notre péché et nos offenses. Nous sommes tous dans de telles conditions. Alors quand nous, personnellement, nous pouvons nous prosterner et nous consacrer, Dieu prend son tuyau de transfusion. Vous suivez? Quand vous vous prosternez dans la prière et vous vous consacrez, Frère Branham dit, Dieu prend les tuyaux. Il prend les tuyaux. Vous êtes spirituel, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas les tuyaux ici, hein? C'est spirituel. Il dit, prend les tuyaux. Dieu prend les tuyaux de transfusion. Le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a point d'autre nom sous les ciels par lequel l'homme puisse être sauvé. C'est ça les tuyaux de transfusion. Ouais. Le nom de Jésus-Christ. Il dit, et par là, il transfère la vie de Christ en vous. Amen. Alors nous avons cette sorte de foi. La foi que Christ avait. Et la foi de Christ n'était pas fondée sur des pharisiens, des sadducéens, ou sur les lavages des criches, ou des bouillons, ou des marmites, des ustensiles du temple. Hein? Donc, elle était fondée sur la parole de Dieu. Amen. Cette foi-là de Christ est fondée sur elle, la parole de Dieu. Amen. À tel point que Christ était la parole. La parole était faite chair. Alors, lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance que nous mourons à notre propre façon de penser et que notre foi devient une foi authentique. Alléluia. Alors la vie de Christ est transfusée en nous. Et nous devenons des créatures vivantes de Dieu. Une habitation où le Saint-Esprit peut envoyer ses bénédictions rayonnantes au travers cela. Et nous sommes
à la stature de Christ. Amen. C'est ce que Christ fait. Amen. Il transfuse cette foi-là au travers de son nom. Ça entre en vous. Ça fait de vous quelqu'un qui a une stature parfaite de Christ. Amen. Dans un super sens, prêché le 27 décembre 59, il est venu au paragraphe 168. Il dit ceci. Laisse-moi terminer cette partie comme ça. On va seulement continuer avec notre point. 170, c'était le sixième sens qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Il prêchait sur le sixième sens. Vous connaissez le sixième sens, n'est-ce pas? Amen. C'est un sens qui est en dehors des sens, des cinq sens de l'homme. Amen. L'homme a cinq sens, n'est-ce pas? Amen. L'odorat, les toucher, les goûts, c'est cinq, n'est-ce pas? Maintenant, au-dessus de cela, il y a un sixième sens. Lui n'est pas matériel. Lui n'est pas de ce monde. Il dit, c'est ce sixième sens-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Après qu'il ait reposé en terre, parce qu'il croyait à la parole de Dieu. Il dit, Jésus, détruisez ce corps et je le ressusciterai le troisième jour. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Il dit, car David a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. C'était ce super sens. Quand Jésus, devant les pharisiens, avant sa mort, il a dit, détruisez cet âme, avec assurance. Le prophète dit, Jésus avait foi dans l'écriture qui dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme au séjour de mort. C'est David qui dit dans les psaumes. Il dit cette écriture-là. Maintenant, Jésus, croyant à cette parole-là, devant les pharisiens, avec la foi de Dieu en lui, il a dit, détruisez cet temple. Je le relèverai en trois jours. Il s'est basé sur cette écriture-là. Prêt à mourir. Parce qu'il croit à la parole qu'il ressusciterait. Amen. C'est ce qui nous manque dans ces temps de la fin. Une petite chose comme ça, nous sommes déboussolés. Déboussolés complètement. C'est parce qu'il n'y a pas cette foi-là. Mais si vous avez cette foi-là, Frère Branham dit, cette foi-là, si vous l'avez, comme Jésus a dit, si vous avez un petit ici, vous pouvez même déplacer les montagnes. Même les montagnes pouvaient déplacer cela. Il dit, vous pouvez créer un monde avec cette foi-là quand il est en vous. Parce que c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la foi de l'homme, mais c'est la foi de Dieu. Amen. That's true. Il continue. Il dit, c'était le super sens. Ça renverse les raisonnements des sens normaux. Il dit, croyez ces super sens. Les sens de la foi que donne Jésus. Les sens de la foi que donne Jésus. Il dit, par ces mêmes sens, Dieu parla lorsqu'il n'y avait rien. Vous suivez? Amen. Et quel est ce sens? Ce super sens? C'est Dieu. Il dit, la foi de Dieu en vous. La partie de Dieu qui entre en vous. On va plus loin. Il dit, c'est une partie de Dieu. Amen. Cette foi-là. Il dit, la partie de Dieu qui entre en vous. Et vous donne le super sens. Par ce même super sens, Dieu a formé le monde avec les choses qui n'étaient pas. Et qui n'étaient pas visibles. Il prononça la parole. Et Dieu crie à sa parole. Et un monde naquit. Il écrit, gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, Frère Branham avait cette foi-là. Amen. Qui pouvait déplacer les montagnes. Amen. Et c'est notre prière. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous ayons des fils qui pétissent foi comme les grains de sénévre. Amen. Frère Branham, ça, vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Une fois, elle est entrée chez cette fille-là, vous vous souvenez, qui était malade des années et des années, clouée au lit. L'hôpital l'a même chassée de l'hôpital. Dit, va rentrer là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Cette chose-là ne guérira pas. Il est rentré chez lui. On s'est là, il met tout dans la dame.
avant d'aller dans la tire en ouf. Et un jour, il a appris, il a lu la pochette de forme, non, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, papa, appelle-moi cet homme-là. Les papas, les parents étaient baptistes. Ils ne croyaient pas que Dieu est surnaturel, que Dieu peut faire des miracles, Dieu peut guérir surnaturellement. Ils ne croyaient pas à ça. Mais la femme tellement insisté, un jour, on a appelé Frère Branham. Frère Branham est venu. Il a dit, je vais prier pour toi. Crois-tu? Il dit, oui, monsieur Branham, je crois. Il dit, ah, tu crois? Mais la Bible dit, si vous avez la foi, parce que je vois en toi, tu n'as pas de foi. Oh, les prophètes étaient capables de voir si tu as la foi ou pas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Un jour, on a amené un enfant sur les plateformes. L'enfant là avait un pied qui était long, un autre qui était un peu... Et quand l'enfant est venu, il voulait prier pour lui, il a regardé et dit, toi tu n'as pas encore la foi. Tiens-toi là, sur l'estrade, tiens-toi là. Tu vas voir comment les gens seront guéris dans la ligne de prière. Amen. Et ça va augmenter ta foi. Amen. Quand ta foi arrivera, je prierai pour toi. Amen. Et il s'est tenu là. Les gens passaient. Ils priaient pour les sourds. Ils écoutaient. Les aveugles, ils voyaient. Les cancers, les autres tombaient là. Et quand cet enfant-là vit la puissance de Dieu, la foi commençait à grandir. Elle lui a dit, ah, je trouve que maman, ce n'était pas seulement les histoires, hein, parce que je vois que Dieu est en train d'agir ici. C'est que cet homme, quand il pria pour moi, certainement, je serai guéri, parce que j'ai vu déjà des miracles ici. La foi commençait à grandir. Alors qu'une fois, madame priait, il a senti. Lui-même, il dit, il sentait ça sonner coup dans cet enfant-là. La foi qui bougeait. Alors, il s'est tourné. Ça y est, tu as maintenant la foi. Amen. Et il a prié pour cet enfant-là. Guéri, c'était un grand miracle. Amen. Amen. Il avait la capacité de voir dans cette fille-là malade qu'elle n'avait pas la foi. Elle avait la foi intellectuelle, la foi de l'Église, hein, de motivation. Amen. Pas la foi réelle. Alors, madame a dit, non, je vois que tu n'as pas la foi. Elle dit, non, si. Je suis chrétien, je pars à l'église. Je crois en Jésus, j'ai la foi. Priez pour moi. Il dit non, je ne vais pas prier pour toi comme ça parce que tu n'as pas la foi. Rien n'arriverait. Tu dois avoir la foi. Il dit non, mais j'ai la foi. Maintenant, Frère Madame lui dit, si tu as la foi, Jésus a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne de quitter là, d'aller de l'autre côté. Alors, dis à l'horloge qui est dans ta chambre là, de quitter là, d'aller de l'autre côté. La fille a regardé Frère Branham et a dit, quoi? Qu'est-ce que tu me demandes là? Non, c'est impossible. Frère Branham a dit, non, tu es croyant, non? La Bible dit, vous allez par la foi déplacer le montagne. Moi, je ne te demande pas de déplacer la montagne. C'est le mal l'horloge de quitter ici pour aller là-bas. Il dit, hey, c'est possible. On dit que non, les montagnes là, ce sont les interprétations des prédicateurs. Amen. Moi, je te dis ce que la Bible est dit. Amen. Il a regardé mon ami. Ah, il dit, est-ce que toi tu as la foi? Elle était intelligente. Et intelligente. Il dit, toi tu as la foi? Mon ami a dit, oui, moi j'ai la foi. Et Dieu peut te guérir seulement, comme tu es là. Il dit, ah, si tu as la foi, toi dis à la montre. Amen. Elle dit, ah, moi j'ai la foi. Ok. Dis à la montre de se déplacer. Branham n'a dit rien. Il a seulement regardé la montre. La montre, au lieu de déplacer ici pour aller là-bas, ça fait le tour de la chambre. Et puis, c'est retourné là où c'était. L'enfant criait. Vous voyez la foi? Amen. Une subsistance. C'est Dieu qui doit placer ça en toi. Et quand vous priez, les apôtres avaient compris cela. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Demande cette foi-là. Cette foi-là qui amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. Amen. Et cette foi-là, c'est Dieu qui oint ça par le Saint-Esprit. Amen.
Ce n'est pas conviction, ma case, et qu'on simba, rien, et qu'on simba, mais quelque chose attaché à la parole de Dieu qui s'ancre en toi comme une révélation et qui te tient là, tu sais que tu verras ça. Et rien n'empêcherait cela d'arriver. Sauf comme une stade, ça c'est Dieu qui place ça. Des fois nous tâtonnons, nous avançons par nous-mêmes. Mais quand vous avez la foi de Dieu, le super sens, oh j'aime pas mon ami, il appelle ça le super sens. Amen. That's true. Mais là, dans les super sens, dans 157, il dit ceci. 157, les super sens. Qu'est-ce qui est arrivé? L'arbre avait été maudit. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Jésus devant le figuier. Il dit, la foi de Dieu fit obstacle à la vie de cet arbre. Donc, quand Jésus, qui avait besoin de figues, alors qu'il avait faim, et qui n'a vu rien dans cet arbre-là, et que Jésus a maudit l'arbre. Ils ont regardé l'arbre-là, et ils ont regardé l'arbre, sans figuier. Et ils sont partis. C'est ce que la Bible dit, non? Mais alors qu'ils sont partis, ça c'est la foi, ça n'agit pas toujours automatique. Ça peut prendre même un petit temps, mais néanmoins ça agit. Parce que les autres pensaient que non, la foi de Dieu là c'est toujours pam pam. Non, là c'est miracle. Il y a le miracle et il y a aussi la manifestation de la guérison divine qui vient comme si le médecin t'avait soigné, mais le médecin ne t'a pas touché, mais c'est Dieu qui te guérit. Donc ça vient après un temps. Tu prononces la parole aujourd'hui, ça semble comme si rien n'a bougé. Mais après un jour ou quelques jours, tu vois exactement la chose que tu avais demandé venir jusqu'à toi. Et ici avec Jésus, j'aime ça. J'aime ça. Amen. J'aime ça, je répète encore. Amen. Jésus s'approchait, il a vu l'arbre. Il voulait des fruits, il n'a rien, il maudit l'arbre. Et il est passé pour lui. Lui avait la foi, cette foi de Dieu, qui est surnaturelle. Dieu lui-même qui était en lui. Amen. Il l'a déjà dit. Il est parti. Il croyait que ce qu'il a dit arriverait. Mais quand les apôtres ont regardé, ils ont dit bien. L'arbre est toujours là. Mais ils sont partis. Le lendemain, quand ils sont repassés par là, et même ils ont arrêté le Seigneur. Hé, Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit, a séché. Donc, la parole a été restée là, en train de tournoyer. Dieu était en lèvres, le Saint-Esprit travaillait pour rendre cette parole manifeste. Amen. Et le lendemain, quand ils sont venus, la parole a accompli déjà. Pour lui, peut-être c'était 24 heures. Pour toi, peut-être ça peut prendre une semaine. Mais si c'est vraiment une parole de foi, la foi ouin par Dieu lui-même, cette chose-là arriverait. Si pas sur les champs, même dans quelques temps. C'est pourquoi ne faillissez pas dans la foi. Si vous sentez qu'il n'y a pas de foi, ne vous attardez pas, n'avancez pas d'abord pour demander. Surtout si cette chose-là est très très importante, attendez que vous ayez la foi. Ou soit, avant de prier pour la chose, commencez d'abord à prier pour que Dieu te donne la foi réelle. Quand tu auras la foi, tu te tiendras là et vous serez ma gêne. Tu vas seulement prononcer la parole. Et des fois, nous sommes pressés d'aller demander, oh Dieu, tu n'as pas exaucé depuis que j'ai prié. Mais tu n'as pas attendu. Ou quand tu le disais là, quand tu priais là, tu n'avais pas assez de foi. C'était seulement ma communauté qui t'a amené à prier, mais tu as prié sans la foi. Alors que il faut commencer d'abord à susciter la foi. C'est pourquoi j'aime les temps de consécration et de prière. Faut madame dire, quand vous êtes deep dans la prière, vous-même vous constatez ça, n'est-ce pas? Quand vous priez au début, vous sentez que vous êtes encore là. Hein? Tout ce qui se passe, ça te passe. Mais au fur et à mesure, tu pries, tu entres, tu sens que tu quittes quand même un peu la dimension. La prière devient comme moins linguée.
au point que pour arrêter, il faut qu'on puisse t'efforcer pour arrêter. Ça arrive déjà, ça vous est déjà arrivé. Hein? Vous sentez que vous priez, tu coupes, mais ça ne fait que venir. Tu commences même à chanter, ça ne s'arrête pas. Et la foi aussi s'élève comme ça. Pendant que vous priez, vous vous consacrez, ça élève votre foi. Ça vous approche davantage de Dieu. Mais c'est la chose que nous faisons le moins. Ne soyez pas distraits. Chaque chose a son temps. Il y a le temps d'aller travailler, d'aller étudier, de chercher l'argent, de faire. Il y a aussi un temps où tu vas travailler la foi qui est en toi pour que cela soit révélé. Certains ont Dieu en eux. Ils peuvent avoir la foi, mais c'est une foi endormie que le Seigneur doit réveiller. Vous savez ça, non? Alors ça se réveille comment? Dans des consécrations, dans des temps intenses dans la présence de Dieu, dans la prière. Ça élève la foi. Je termine avec cette écriture. Dans la condamnation par représentation, 106 à 107, il dit ceci, prêché le 13 novembre 1960, il dit, une foi hybride, vous voyez, une foi hybride. Il y a aussi une foi qui est hybride. Hybride, c'est quelque chose qu'on a mélangé. Des choses de nature différente, des semences différentes. Quand on les met ensemble, c'est ce qu'on a appris à l'école, qu'on appelle l'hybridation. Et Fabien me dit, il y a aussi une foi hybride. Tu as la foi, mais cette foi-là, c'est hybridé. Vous suivez? Il dit, une foi hybride qui lira Hébreux 13 et dira, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ensuite, la foi hybride intervient. Eh bien, ça c'est la foi hybride. Hein? La Bible dit clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la foi hybride, quand lui intervient, elle, la foi, lui, écoutez ce qu'il dit. Eh bien, dans un sens, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il n'est pas, dans un autre sens, il ne peut pas guérir aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui son programme, c'était à cette époque-là. Ça, c'est la foi hybride qui fait de Dieu, il est Dieu au temps de la Bible, mais aujourd'hui, il n'est pas Dieu. C'est comme si Dieu peut changer. Une foi hybride, qu'on peut voir la puissance et la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui, on ne peut pas le voir, ça c'est une foi hybride. Si c'est la même foi de Dieu qui était avec le Saint dans ces temps-là, au premier âge, à l'église Pentecôte, de la Pentecôte, on doit le voir aussi aujourd'hui. Et nous devons souffrir quand nous ne voyons pas parmi nous. On ne voit pas les surnaturels. On ne voit pas la puissance de Dieu. Nous devons nous poser des questions. Nous devons entrer encore Dieu pour la prière. Nous devons nous consacrer encore pour voir ces choses parmi nous. Parce que Dieu est surnaturel. Quand vous avez la parole, la puissance de la parole, la puissance de Dieu accompagne toujours la parole. C'est ce que les apôtres avaient, n'est-ce pas? Ils prêchaient la parole. Et Dieu confirmait la parole, c'est ce que la Bible dit, avec des signes et des prodiges. Il faut qu'il y ait des témoignages. Amen. Mais s'il y a des témoignages, pourquoi vous gardez ça? Il y a seulement des frères qui ont donné des témoignages. Frère Julien a donné, il y a le frère Moïse qui a donné son témoignage. Vous n'avez pas de témoignage? Christ ne vit pas avec vous? Ne soyez pas satisfait d'être un membre de l'église. Tu viens à l'église, tu rentres, tu viens à l'église, tu rentres, tu as ta Bible et tu lis, mais tu ne vois pas les effets de cette de ce Dieu-là que tu lis dans la Bible. Je crois que Dieu est en train, il fait des choses, mais un peu dans la simplicité, dans l'humilité, ici dans cette église. Je vous dis, les gens viennent avec des témoignages. C'est pourquoi j'avais dit, on doit avoir un jour où on fait des réunions de témoignages. Voilà, tu as que ça faisait comme ça. On n'a pas le temps d'appeler les gens pour donner des témoignages, mais que quelqu'un, quand il a expérimenté quelque chose, il écrit ou il parle au pasteur. Le pasteur verra comment amener ça ici. C'est très bien pour motiver
et faire comprendre aux autres que Dieu est vivant, il est réel. Quand Dieu fait quelque chose, il faut témoigner. Amen. Amen. Comme Frère Patrick, il va témoigner plus tard, pas aujourd'hui. Dieu fait des choses. Et croyez toujours à ces dieux. Ne soyez pas satisfaits de venir rentrer sans voir la puissance et la main de Dieu. Quand tu ne le vois pas, il faut te poser des questions. Il faut rentrer deep. Tu dois voir la main de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça doit être différent. Vous suivez ça? Je termine. C'est ça ce que fait la foi hybride. Parce qu'il n'est pas naturel. Cette foi-là n'est pas réelle, n'est pas originelle. Il est hybridé. C'est pourquoi il ne croit pas que Dieu est surnaturel. Ça, c'est dit. Mais la foi authentique dira, il est le même. Il n'est pas hybride cette fois-là. Elle n'est pas liée à une église bourrée de théologie des hommes. Ce n'est pas une religion de Millet. Les Millet, vous connaissez les Millet, non? C'est l'hybridation des chevals et les ânes. C'est ce qui fait le Millet. Ce n'est pas cette fois-là de l'hybridation. Il dit, la parole de l'homme croisée avec la parole de Dieu, c'est ce qui produit la foi hybride. Mais quand vous restez avec la pensée, avec le cœur, à la parole de Dieu, ça produit la véritable foi, la foi authentique. Frère Madame dit, la base, le fondement de la foi véritable, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu l'a dit, restez là. Dieu accomplira cela. Amen. C'est pourquoi même quand vous priez, amen, ce ne sont pas les belles paroles, les belles mots agencés. Non. Mais prenez Dieu par sa parole. Et pour nous enseigner, il dit, Dieu est faible devant sa propre parole. Si vous voulez l'avoir, prenez-les par sa parole. Amen. Dieu, tu as dit ceci. La Bible est dit ceci. Dieu, je veux voir ça. That's true. Amen. Restez là. Avec la ferme assurance, tu le verras s'accomplir. Amen. That's true. Amen. Comme j'ai toujours dit, pour les prédicateurs, ils ne sont pas des extras, ce sont des hommes. Mais seulement, Dieu a placé dans les prédicateurs comme quelque chose qui lie leur cœur, leur foi à la parole de Dieu. Amen. Ils croient à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à imposer les mains. Bien sûr, les dons sont là, les ministères sont là, mais la motivation première, c'est la parole. Il est écrit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit ça. Alors moi j'obéis à la parole. Dieu est obligé aussi à accomplir sa parole. Et si l'omnipotence rencontre l'omnipotence, moi j'ai la foi dans la parole. Toi aussi tu as foi en Dieu. Et quand nous nous mettons ensemble, nous prions. Maman me dit, les miraculés, ça continue. Vous croyez à ça? C'est la foi que Dieu veut dans l'église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. On va chanter sur les ailes d'une colombe. Et nous allons prier. Thank you.
voix, la voix de Jésus-Christ, la voix qui croit à la parole, la voix qui croit au signe naturel, la voix qui produit les miracles.
avant la fondation du monde. Nous les croyons de tout notre cœur. Car c'est toi, Christ, qui nous a attirés, Seigneur Jésus. Au travers de ta parole, au travers du message de l'œuvre, au travers du message du temps de la fin, au travers de ce message du septième ange. Tu nous as attirés, Seigneur. Et nous croyons, Père Céleste, toi la mère aigle, et nous sommes tes aiglons. Tu as parlé, Seigneur, et nous avons senti dans notre cœur les cris, a fait l'écho que nous t'appartenons et nous sommes à toi. Seigneur Jésus, notre prière ce soir, que tu nous fasses grâce au Père, que la foi véritable de Dieu, la foi surnaturelle de Jésus-Christ puisse s'ancrer dans les cœurs de tout et chacun. Nous voulons te voir, Seigneur, toi les dieux surnaturels, dans nos vies, Seigneur Jésus, dans nos foyers, dans nos familles, ici à l'église, Seigneur Jésus. Ô Père, là où tu es, Seigneur, il y a la gloire, il y a la manifestation, et tu honores toujours ta parole. Nous voulons que cette parole, Jésus, parmi nous, ô Seigneur, soit vivante et réelle au travers de notre être, Seigneur Jésus. Viens alors, Seigneur, on fait la transfusion, Seigneur, de la foi de Jésus-Christ. Oh, nous prions au nom de Jésus-Christ que cela s'introduit dans cette église, dans ma soeur, dans mon frère, dans tout et chacun de nous, Seigneur, que nous ayons cette foi qui produit les miracles, cette foi qui élève et glorifie Jésus-Christ par des œuvres puissantes. Accorde-les-nous, Seigneur, notre Dieu, que chacun ait un témoignage, Seigneur Jésus, du surnaturel, que le supersens dans sa vie, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour la parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut. Ô Dieu, merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Ô Dieu, laisse que Jésus, que tu exauces la prière de tout et chacun de nous ce soir, ô Père, alors que nous rentrons. Que nous rentrons avec la ferme assurance au Père. Oh Seigneur, nos yeux tournés vers toi, regardant l'invisible. Oh Seigneur, pour que Seigneur Jésus, ce qui est caché dans l'invisible, puisse venir dans l'invisible et devenir matériel. Au nom de Jésus-Christ. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Bénis mes saints, tabernacle, mon Dieu. Oh Père, bénis les cultes des samedis et des dimanches. Nous nous recommandons entre tes mains. Protège nos chemins de retour. Préserve-nous des dangers et des troubles. Et sois glorifié dans nos vies. En toutes choses, au nom de Jésus-Christ, nous avons su prier. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Ok, on va chanter ces cantiques. Hosanna, béni soit le roi. Et nous allons rentrer à la maison. Les paniers, les offrandes et là au fond. Allez dans la paix, Seigneur.